Yomi Denzel m'a arnaqué 1000 dollars. Yomi Denzel m'a arnaqué 3000 dollars. Yomi Denzel m'a vendu une formation de bullshit. Donc, ce sont les informations qui tournent sur la toile ces derniers jours. Et moi, je suis bien placé pour parler de Yomi Denzel et de sa formation parce que j'ai acheté sa formation depuis un bon moment parce que j'ai une plateforme de vente en ligne, c'est lemarché.com. Est-ce que cette formation m'a servi grand chose ou pas? Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Tout ça, nous allons le développer aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous donner trois critères, hein, indispensable à vérifier avant d'acheter une formation, parce que tout le monde vend des formations, y compris moi. Mais il y a trois critères, trois éléments que vous devez chercher, vous devez voir. Ce sont des critères indispensables avant de mettre votre carte bleue à acheter une formation. Aujourd'hui, on va parler de Yomi Denzel, bien sûr, parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Moi, j'ai assisté sur beaucoup de masterclass de Yomi Denzel. J'ai acheté sa formation que je vais vous montrer, même la formation de Yomi Denzel. Bien sûr que je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est privé, c'est sa formation. J'ai mis beaucoup d'argent pour acheter cette formation. Qu'est-ce que cette formation m'a apporté? Est-ce que c'est du bullshit comme certaines personnes le disent? Et pourquoi aussi certaines personnes se retrouvent pour contre Yomi Denzel et dire que sa formation c'est du bullshit? Ça, c'est exactement ce que nous allons parler aujourd'hui, mais juste après l'intro. Installez-vous confortablement parce que vous allez comprendre beaucoup de choses sur les stratégies et les techniques de Yomi Denzel et sa formation, mais aussi vous allez comprendre trois critères qu'il faut analyser avant d'acheter une formation. Et on va voir, analyser ensemble si ces trois critères sont réunis à l'endroit de Yomi Denzel. Mais ça prend juste l'intro. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, 90% de nos activités tournent autour de la crypto-monnaie, de l'économie numérique. D'une manière générale, ce qui m'a poussé à acheter la formation de Yomi Denzel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu instructif, hein, qui va vous permettre d'apprendre beaucoup sur l'économie numérique, mais surtout sur la crypto-monnaie. Donc, les anciens, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez des likes, des pouces bleus, ça fait toujours plaisir de sentir que la communauté est toujours présente dans les vidéos qu'on partage. Maintenant, on va attaquer le sujet, on va parler de Yomi Denzel. Si vous ne connaissez pas Yomi Denzel, peut-être c'est pas tout le monde qui le connaît, c'est difficile même d'être sur la toile sans connaître Yomi Denzel parce que c'est l'une des plus grands marketeurs. Donc, l'une des premiers éléments, c'est-à-dire que les mots-clés qui vont sortir dans cette vidéo, vous allez noter. Premier mot-clé, ça va être le marketing. C'est l'une des plus grandes marketeurs en francophonie. C'est-à-dire que toutes les infopreneurs en Afrique francophone ou bien en francophonie, voilà, Yomi Denzel fait partie des meilleurs. C'est pourquoi c'est difficile de ne pas tomber une fois ou bien connaître Yomi Denzel. Si vous ne le connaissez pas, c'est un infopreneur qui a fait sa fortune en moyenne de... voilà, en moyenne de temps, hein, en moyenne de 12 ans, certaines personnes disent en moyenne de 1 an, il est devenu multimillionnaire grâce à e-commerce, voilà, et le dropshipping. Donc, lorsqu'il a réussi à gagner beaucoup d'argent sur l'e-commerce et le dropshipping, et il commence à partager vraiment ce qu'il a gagné ou bien comment il a fait pour gagner tout cet argent-là, comment il a fait pour devenir riche, parce qu'il était fauché comme tous les, voilà, comme tout jeune, hein, que je cherche en tout cas, plus ou moins. Et lui-même, il le dit, hein, étudiant fauché à millionnaire. Et à partir de là, les gens aussi veulent savoir son expérience, veulent savoir comment il a fait pour vraiment en moins de temps réussir à créer, voilà, sa communauté, parce qu'il a plus de, voilà, plus de 1 million d'abonnés si vous cumulez ces différents réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Instagram, parce que sur Instagram, il a dépassé les 700 000 abonnés. Sur YouTube, il a dépassé les barres de 500 000 abonnés, etc., etc. Et à partir de là, il se fait de l'argent avec e-commerce. Les gens commencent à lui demander ses secrets, comment il fait pour gagner de l'argent sur le e-commerce et le dropshipping. Et il commence à monétiser aussi cette service. Et boum, avec une communauté de ouf, il commence à se faire de l'argent. Et les gens aussi commencent à avoir des résultats. Certaines personnes qui sortent, voilà, sur la toile pour montrer les résultats qui sont eus à travers ses formations. Et à partir de là, moi aussi, crié, et je dis que je vais acheter sa formation. Parce que moi, s'il y a qu'une seule chose qui peut me faire dépasser de l'argent, alors si vous voulez m'arnaquer ou bien me faire
sortir de l'argent, il n'y a que deux choses qui peuvent, voilà, que tu peux utiliser pour ça, c'est de me vendre une formation ou des livres. Hier même, j'ai acheté beaucoup de livres que je n'ai même pas encore rangés. 48 lois du pouvoir, que j'avais même ici, le prince de Machiavel, etc. etc. Les formations, je n'ai à gogo. Beaucoup, beaucoup de formations. Je vais vous montrer même les formations que j'ai ici. Parce que j'ai énormément, énormément de formations que j'ai achetées. Et en 2019, moi, j'ai lancé une plateforme de vente en ligne qui s'appelle senmarché.com, que vous pouvez vérifier. www.senmarché.com, c'est notre plateforme de vente en ligne qui me permet de faire de l'argent. Mais en ce moment-là, bon, je ne gagnais pas beaucoup. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Et je savais qu'il y a un moyen vraiment d'être rentable avec l'e-commerce, mais je ne savais pas comment. Et c'est ce qui m'a poussé à aller sur Internet pour voir comment je peux faire pour vraiment développer notre plateforme de vente en ligne, senmarché.com. Et bizarrement, comme tout le monde, je tombe sur Yomi Denzel. Et ensuite, je commence à suivre le gars et je suis ses vidéos, je suis tous ses formats, tous les vidéos qu'il partage et tout ça. Et à partir de là, et bingo, je me suis dit que peut-être c'est la personne qu'il me faut pour vraiment, c'est la personne qu'il me faut pour développer mon business de e-commerce. Donc avant de vous dire comment cette formation m'a aidé ou n'a pas aidé à développer mon business, je vais vous montrer un peu quand même sur la formation, à voir mon écran et vous écouter un peu. Normalement, vous avez dû rejoindre aussi le groupe Facebook et le CMI. On se retrouve pour la première vidéo de cette formation. Je me réjouis énormément de voir tout le contenu qu'on a. Voilà, là on regarde. On est dès maintenant partie de la meilleure formation francophone, et ça de loin. Je pense même que c'est la meilleure formation à l'international sur le e-commerce. Vous allez voir qu'on a un contenu incroyable qui a absolument tout ce qu'il faut pour que vous ayez les meilleurs résultats le plus rapidement possible. On a énormément travaillé là-dedans. Il n'y a pas que moi, il y a plusieurs intervenants. Et puis je me réjouis juste énormément de faire ce voyage avec vous, de vous aider à créer une boutique rentable le plus. Voilà, je sais pas, vous pouvez pas suivre toute la formation. C'est pas même normal que je vous montre ça, mais peut-être. Voilà, j'achète sa formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est-à-dire que première formation en francophone en e-commerce. Donc moi, j'ai acheté cette formation. C'est pas moi, à ce moment-là, je suis en train de suivre cette formation. J'adore acheter des formations de Pascal Maff. Ça, c'est une formation sur parler de marketing de réseau, comment marketing digital, comment gagner de l'argent sur Internet et tout ça. Et je suis en train de suivre la formation, ok, cette formation de Pascal Maff aussi. Sur l'ordinateur et le Mac sur lequel vous devez travailler. Ça, c'est Pascal Maff, voilà, donc il est en train de tourner. J'ai acheté aussi la formation. Belle aventure, vous êtes dans la formation. Première étape que vous devez faire, vous devez installer l'application. Ça, c'est la formation de Pascal Maff que j'ai acheté. Je suis en train d'acheter aussi la formation de Ibrahim Camara, YouTube en pur ou de trucs comme ça. Donc, parce que il y a trois critères qui sont réunis pour acheter ces formations. Donc, pour vous dire que quand je dis j'achète des formations, il y a des critères. Mais lorsque j'ai acheté la formation de Yomi Denzel, moi, ça a complètement changé mon business. Oui, positivement. Moi, avant d'acheter la formation de Yomi Denzel, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je faisais mon business? Je disais, voilà, les gens qui utilisaient ma plateforme de vente en ligne, senmarché.com, je prends 3% sur chaque produit vendu. Et avec le temps, c'est-à-dire que ça me cassait la tête, donc c'est-à-dire que ça me fatigue. Je n'arrivais pas à avoir les moyens nécessaires, la logistique qu'il me faut pour aller chercher. Quand quelqu'un achète un produit sur ma plateforme, à l'époque-là, c'est moi qui devais aller chercher le produit et les livres, etc. Parce qu'on est en Afrique. Quand tu achètes une formation, souvent aussi, il faut l'adapter à ta zone géographique ou bien la réalité africaine. Ici, les gens, ils sont pas encore cette culture de payer en ligne. Les gens préfèrent ce qu'on appelle paiement à la livraison. Paiement à la livraison. Ici, les gens faire, je coupe ça, les gens faire paiement à la livraison. Paiement à la livraison. Il faut que tu leur amènes le produit avant qu'ils te payent. Et à travers la formation de Yomi Denzel, j'ai compris une autre stratégie que j'ai développée. Je ne vais pas développer toutes les stratégies que j'ai apprises sur la formation, mais le fait que moi j'ai changé une stratégie, c'est-à-dire que je ne prends plus de commission, mais je fais des logements de boutique. C'est-à-dire que moi, ma plateforme, c'est une marketplace, senmarché.com. Maintenant, j'appelle tous les vendeurs sur senmarché pour dire que je ne prends plus de commission. Vous vendez 1 million, 1 milliard ou 0, ça ne me concerne pas. Moi, je vous donne l'espace, je vous permets d'avoir une vitrine virtuelle. Maintenant, chaque personne qui utilise notre vitrine virtuelle pour vendre ses produits, il va payer 5 000 francs par mois.
il va payer 5000 francs par mois. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose. Hein? 5000 francs, de, si on convertit ça en euros ou en dollars, c'est moins de 10 dollars. C'est moins de, c'est presque 5 dollars ou 6 dollars, quelque chose comme ça. Tu vois, je dis que maintenant, utilisez notre plateforme, c'est bien fait. Tu entres sur notre plateforme, vous allez créer votre plateforme, votre compte et vous commencez à poster vos produits et c'est automatisé. À chaque fois, on sent juste quelques réglages. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un achète, la personne aussi va recevoir une notification et c'est à lui de s'occuper de la livraison et tout ça. Ça, je l'ai appris vraiment, sincèrement, honnêtement, à travers cette formation. Lorsque je fais ça, à moins de 3 mois, j'ai quadruplé, pour ne pas dire multiplé, quadruplé les gains sur CNMarché.com. J'ai quadruplé les gains. S'il y avait que cette information sur la formation de ce 2020, moi je dis, je sors gagnant dans cette formation. D'accord? Donc pour dire que beaucoup de personnes qui se plaignent, il y a deux catégories de personnes qui se plaignent à travers les formations ou la formation de Yemidenzel. La première catégorie, ce sont les personnes qui achètent la formation avec l'idée que dès que j'achète la formation, je deviens Yemidenzel. Quand tu achètes la formation de Yemidenzel, en pensant que moi, j'achète la formation, dès que j'achète la formation, je deviens Yemidenzel, tu as déjà perdu à l'avance. Tu ne vas jamais devenir Yemidenzel comme ça. Quand on achète une formation, moi, lorsque j'ai acheté la formation de Yomi Denzel, c'est déjà un objectif. J'ai déjà ma plateforme de vente en ligne. J'achète la formation pour essayer de voir comment faire fonctionner mon business. Deuxième catégorie de personnes qui doivent acheter la formation, c'est celles qui veulent se lancer en e-commerce, en dropshipping. Tu achètes pour avoir des informations qui vont te permettre de te lancer et développer ton business. Les techniques marketing que Yomi utilise n'est pas les mêmes techniques marketing que tu utilises. Toi, les informations, tu dois aller apprendre même le marketing quand tu as toutes les informations parce qu'il a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, je n'ai pas acheté la formation e-commerce pour 2.0 ou bien e-commerce pro parce que moi, j'étais sur la version de 2020. J'ai acheté la formation fin 2020, quelque chose comme ça. Donc, pour dire qu'il y avait énormément, énormément d'informations avec cette formation. Donc, les gens qui se plaignent, c'est la première catégorie, c'est les gens qui se lancent avec l'idée que dès que j'achète la formation, je deviens Yomi Denzel. Je vais commencer à voyager avec les jets privés, je vais commencer à faire le tour du monde, je gagne des milliers de dollars par mois. Non. Si vous achetez une formation avec cette idéologie, tu as déjà perdu à l'avance. Deuxième catégorie de personnes qui se plaignent, c'est des gens qui n'ont même pas suivi la formation. Il y a des gens qui achètent une formation sans le suivre et se plaindre. Moi, j'ai pas même payé la coaching personnalisée parce que quand tu achètes la formation des gens comme Yomi Denzel, on te propose aussi coaching personnalisé. Moi, je n'ai pas pris même coaching personnalisé, mais les informations que j'ai eues à travers la formation m'ont permis vraiment de comprendre beaucoup de choses. Mais je continue à apprendre. Et d'autres catégories de personnes aussi qui se plaignent, c'est des gens qui pensent que dès que j'achète la formation de Yomi Denzel, c'est fini. J'ai arrêté d'apprendre, donc j'ai... Non. Même, je vous dis un secret aujourd'hui, même Yomi Denzel continue à apprendre. Achète des livres, achète des formations sur ses mentors. Donc, il faut comprendre que tu as des informations ici, mais il faut continuer à acheter des formations pour avoir plus, c'est-à-dire compléter les informations que tu as reçues en venant de Yomi Denzel ou d'autres personnes. Moi, j'achète une formation, bon, je ne pouvais pas de Alphonse Afo que je suis en train même de suivre. Je suis beaucoup de formations. Moi, depuis que j'ai compris ou bien j'ai entendu Warren Buffett dire que 80% de son temps, c'est pour l'apprentissage, j'ai compris que le secret de toutes les personnes qui ont réussi, ce n'est pas ce qu'ils ont, mais c'est-à-dire que ce n'est pas le travail, ce n'est pas le business, c'est qu'ils sont dans leur tête, dans leur cerveau. C'est ça qui fait la différence. Là, je vais vous donner 3 critères avant d'acheter une formation. Si ces 3 critères ne sont pas réunis, je ne dirais pas que c'est du bullshit, mais il faut faire très attention. Et ensuite, je vais vous donner 3 clés aussi. Premier critère sur les formats pour acheter une formation, il faut que la personne soit régulière, soit sur les réseaux sociaux et puis faire des publications régulièrement. C'est-à-dire que quelqu'un comme Yomi Denzel, moi, avant d'acheter sa formation, je disais que même ça devient une redevabilité envers lui. C'est quelqu'un qui partage pratiquement chaque semaine des vidéos qui te permettent d'apprendre quelque chose. Avant d'acheter une formation avec quelqu'un, il faut que cette personne soit régulière sur les réseaux. Partage des vidéos qui te permettent. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise son sujet, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit là. Quelqu'un qui vend une formation, il doit être capable de partager des centaines de vidéos. Des centaines de vidéos qui parlent de ce sujet là sans se béguer, sans faire de la répétition. Chaque jour que tu peux te donner des petites astuces.
Mais il y a vrai que ces astuces restent limitées parce qu'on est sur YouTube. Surtout, je vous dis que dans cette scène, il y a plus de 700 vidéos qui parlent de la crypto-monnaie. Plus de 700. Allez, regardez. Ça, c'est l'une des premiers critères. Et il ne faut pas que la personne vienne comme ça et vous achetez sa formation. Donc, premier critère, il faut que la personne soit sur les réseaux, surtout sur YouTube, et être régulier sur YouTube. Ça, c'est l'une des premiers critères pour acheter une formation. Deuxième critère aussi pour acheter une formation, il faut une version gratuite. Quelqu'un qui veut vous vendre une formation, il doit avoir une version gratuite. 30 minutes, 45 minutes, qui vous permettent de comprendre. C'est-à-dire que cette formation n'est pas vraiment une formation, mais ça permet d'avoir une cohérence. C'est-à-dire que la personne, est-ce qu'il maîtrise la source ou pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui allaient feuilleter sur Internet, taper et prendre, faire des PowerPoint et venir vendre. C'est possible. Il y a des gens aussi qui vendent les formations des autres. Mais quand la personne fait une version gratuite, 45 minutes, 3 vidéos gratuites, 5 vidéos gratuites, tout ça c'est limité. Moi je sais que tout ça c'est limité, mais ça c'est vraiment l'une des critères hyper importants. Sur ce, je vais vous mettre sur la barre de description un lien qui vous permet d'avoir accès à une formation crypto-monnaie gratuite. Allez, c'est-à-dire que ça vous permet même de checker, de mesurer la fiabilité ou bien le niveau de compétence de la personne. Je vous mettrai un lien. Ça, c'est deuxième critère. Et moi, avant d'acheter la formation de Yomi Denzel, ces deux premiers critères sont réunis. Premier, c'est le gars, il est régulier sur Internet. Deuxièmement, le gars, il a une version gratuite. Et troisième chose même que le gars a ajouté, qui m'a fait aimer son travail et que j'ai copié automatiquement, pour être honnête, c'est les masterclass. Le gars, il organise pratiquement chaque mois masterclass gratuite que tu t'es inscrit avec ton adresse email et on t'envoie le lien et tu sois en direct avec le gars qui pose des questions, il répond. C'est-à-dire que s'il n'est pas des bagages, il pouvait pas vous répondre. S'il n'est pas des bagages, il ne pouvait pas faire cette masterclass et il le fait pratiquement chaque mois. Moi, j'ai assisté sur une dizaine de masterclass de Yomi avant d'acheter sa formation. Et depuis que j'ai compris ça, moi-même, j'organise de temps en temps des masterclass pour parler de la crypto-monnaie. Donc, troisième et dernier critère qui est hyper important, qui te permet, il ne faut jamais acheter une formation à travers les réseaux publicitaires de Facebook. C'est-à-dire que quand vous tombez sur une publicité, vous savez, ça c'est facile. Développer une formation et aller sur YouTube, sur Facebook pour faire une publicité. Facebook sait toutes les personnes qui s'intéressent sur e-commerce, connaît toutes les personnes qui s'intéressent sur la crypto, connaît toutes les personnes qui s'intéressent sur tout. Donc si vous faites une publicité, Facebook va montrer à toutes ces personnes-là cette publicité-là. Si toi tu fais partie du cible, si on te montre cette publicité, ne mets pas ta carte automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre le lien. Aller sur sa page de vente ou bien aller sur sa page YouTube et voir est-ce que la personne est régulière. C'était quand la dernière fois qu'il a publié, que ses publications c'est comment. Regardez est-ce que le gars il comprend ce qu'il dit, etc. Parce que c'est très dangereux d'acheter une formation à travers uniquement la publicité Facebook. Yomi Denzel, il fait beaucoup de publicité Facebook, mais bien sûr quand vous tombez sur ses publicités Facebook, tu peux aller suivre le gars sur ses pages, que ce soit Insta ou bien sur ton YouTube. Moi, une formation, je l'achète vraiment en suivant la personne sur YouTube déjà. Sur Instagram ne peut pas me motiver moi personnellement pour acheter une formation. C'est des images, des petites courtes vidéos, etc. Mais sur YouTube, tu as la possibilité de savoir si le gars maîtrise ce qu'il dit ou pas. Donc moi, personnellement, vraiment, je n'ai pas l'intention de vous dire allez acheter la formation de Yomi Denzel. Loin d'être là, loin de là. Je n'ai pas l'intention de vous dire allez acheter la formation de Yomi Denzel. Non. Mais c'est pour vous dire que moi, je suis 100% satisfait en achetant la formation de Yomi Denzel. J'ai jamais eu un contact, c'est-à-dire que direct, à part les masterclass que j'ai assisté avec Yomi Denzel. Donc, que vous achetez sa formation ou pas, vous le suivez ou pas, ça ne me fait pas grand-chose, ça ne me fait ni son ni fa. Mais c'est juste parce que je ne me permets plus de faire la formation. J'ai fait la formation de Yomi Denzel et voir sur la toile des panneaux pleins de vidéos qui sont là, je ne sais pas c'est quoi le but pour dénigrer la personne. C'est-à-dire que moi qui ai suivi la formation de Yomi Denzel de A à Z, je ne peux pas voir quelqu'un dire que le gars c'est un mytho, le gars c'est un vendeur de rêve. Vendeur de rêve par rapport à son style de marketing, parce que chacun choisit sa manière de vendre ou bien son style marketing, ça c'est autre chose. Mais quand il vend du rêve, jusqu'à arriver à vous vendre une formation, est-ce que cette formation
il y a des informations, est-ce qu'il y a du contenu sur la... C'est ça la vraie question. La vraie question n'est pas est-ce que ce qu'il fait c'est vrai ou pas. Et ce qu'il fait c'est pas vrai. Allez faire ce qu'il fait. Lui un jet, si tu n'as pas de l'argent, est-ce que tu peux le faire? Ce qu'il fait, c'est-à-dire que son business model marche. Que soit la formation, que soit son e-commerce, peu importe. Mais il réussit à encaisser de l'argent. Donc son style de marketing, ça marche très bien. Mais ça, ça n'a absolument rien à voir avec le contenu que le gars qu'il propose. Moi, j'adore vraiment la formation de Yomi Denzel. Je ne le dis pas pour lui faire de la publicité. Il a plus de 1 million d'abonnés. Donc nous, on est à 30 000. Je compte sur vous pour augmenter la scène. Mais c'était juste vraiment un cri de cœur par rapport... Parce que tous les jours, vous êtes d'accord avec moi sur la toile. Et 90% des gens, si toi, je vais lancer un défi. Toi, tu as acheté la formation de Yomi. Tu as regardé la formation, tu n'es pas satisfait, dites-le moi sur les commentaires. C'est comme ça qu'on analyse ou on juge une personne. Mais on ne va pas juger une personne parce qu'on le déteste. On ne va pas juger une personne parce que son comportement ne nous plaît pas. On ne va pas juger une personne parce que sa manière de faire le marketing ne nous plaît. Non, chacun a sa manière de vendre. Chacun a sa manière de vendre. Ça n'a rien à voir maintenant avec le contenu de ce qu'il propose. Voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas ces trois critères. Il faut que le gars soit régulier sur les réseaux. Il faut une version gratuite. Si vous avez des affaires, une formation avec lui, ainsi de suite. Donnez votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de le lire. Mes amis de la Côte d'Ivoire, on arrive du 1er au 28 février, ce serait à Abidjan. Du 1er au 28 février, ce serait à Abidjan. Pour partager le maximum d'informations. Une grande conférence le 25 février 2023 à l'hôtel Palm Club de Cocody. Les inscriptions sont en cours. Allez sur la barre de description pour réserver votre place. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.